Bonsoir Wendy, bonsoir Benoît Potier. Bonsoir. C'était il y a quelques jours au Palais des Congrès de Paris, vous avez fait salle comble pour l'Assemblée Générale d'Air Liquide, 6000 places dans le grand amphithéâtre, tout occupé, 700 actionnaires dans une salle annexe, toutes les résolutions proposées votées, un vrai plébiscite, dites-moi. Absolument, bah vous savez, cette Assemblée Générale, c'est pour nous toujours un moment privilégié, un moment de rencontre avec nos actionnaires. On a cette caractéristique d'avoir, je crois, le plus grand nombre d'actionnaires individuels venant aux Assemblées Générales. Plus de 300 000, hein au total, près de 400 000 actionnaires en France individuels et puis euh, 7000 demandes de cartes de... Pour assister à l'Assemblée Générale et à peu près 5000, 5100, je crois, personnes cette année. Il n'y a plus beaucoup d'Assemblées Générales qui se passent aussi bien dans une telle unanimité. Hein. Euh, Peut-être parce que vous aviez de bonnes nouvelles à leur annoncer, par exemple l'augmentation de 11% du dividende, 2,35 euros par action cette année Absolument, c'était, je crois, une, une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est aussi le résultat d'une année 2010 qui a été très bonne, mmh. qui a marqué vraiment la reprise après, après la crise. Euh, et qui s'est, je dirais, bien, bien déroulé pratiquement dans tous les métiers et sur toutes les géographies. C'est est ça aussi qui est, une, qui est important à dire. Euh, quand on a une activité qui se porte bien, je crois qu'il faut aussi ensuite euh, récompenser les actionnaires qui sont à la base, évidemment, de la confiance du long terme. On va y venir euh, sur cette activité, mais je voudrais d'abord qu'on reste un petit peu sur cette idée des dividendes, et, euh, du partage, j'allais dire, de la valeur entre les actionnaires et les salariés puisqu'on nous promet une loi avant l'été qui va contraindre les entreprises qui augmentent leurs dividendes à verser une prime à leurs salariés. Vous l'avez provisionné Non, parce que nous attendons d'abord de voir la loi, puisqu'elle oui. n'est pas encore euh, ni officielle, ni, 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 euh, ni votée. Euh, moi, je, je crois beaucoup, vous savez, à, à la politique de dividende, avant tout, pour entretenir cette confiance. Il faut quand même se rappeler que l'entreprise a besoin de fonds propres mmh. pour pouvoir euh, être créée et ensuite durer, vivre que la rémunération des fonds propres, ce sont les dividendes, et que je ne vois pas d'autre façon d'entretenir la confiance que de verser, un, quand on le peut, quand l'activité marche bien, un dividende régulier. Donc la politique de dividende est avant tout une politique de long terme pour l'entreprise. La politique de rémunération des salariés est, une autre, est un autre élément de gestion de l'entreprise. Euh, nous, nous avons en fait dans un grand groupe international des activités dans l'ensemble du monde, et je suis attaché, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'Assemblée Générale, très attaché à l'équité mmh. entre les actionnaires, actionnaires d'un côté euh, quel qu'il soit, individuel ou institutionnel, et de l'autre côté euh, les salariés, puisque l'augmentation des profits vient de l'international, oui, on ne peut pas verser une prime en France, alors que l'augmentation des dividendes vient de l'étranger. Parce fait. que vous avez aujourd'hui 10 500 salariés en France sur un effectif total de 43 000 personnes. Et si on sert mieux les Français que les autres, euh, la cohérence de l'entreprise est Absolument. en cause. Absolument. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai expliqué. Je pense faire. On sera évidemment bons citoyens en France. On l'a toujours été. Euh, mais, mais je crois que cet élément est très important. Est-ce que cette forme de taxe nouvelle sur les dividendes pourrait influer sur votre générosité vis-à-vis -vis des actionnaires, qui est quand même stratégique Vous venez de le rappeler pour Non, parce que regardez les, les chiffres. Nous avons un, un cash flow de l'ordre de, de, de 2,5 milliards pour faire, pour faire simple. Euh, on en a à peu près un quart de ce cash flow qui est distribué sous forme de dividendes, mais ça veut dire que trois quarts de ce cash flow est réinvesti dans l'entreprise pour la faire croître. Donc je crois que ces équilibres sont spécifiques des entreprises, spécifiques des secteurs, et que c'est le résultat, en ce qui concerne Airliquid, de plus de 100 années d'exercice du métier, il faut donc être extrêmement vigilant à préserver ces équilibres qui sont fondamentaux pour les entreprises. J'ai noté que l'Assemblée générale avait validé votre proposition de filialiser les activités françaises qui étaient jusque-là gérées en direct depuis le siège de Paris. C'est vrai que la France ne représente plus que 20% de votre activité, mais est-ce que ça veut dire que pour vous, la France est un marché comme un autre aujourd'hui la France on peut dire est à la fois un marché comme un autre puisque nous exerçons nos activités dans 80 pays dans le monde, puis c'est aussi un marché unique puisque c'est le territoire dans le monde où nous avons le plus d'activités de métiers représentés, tous les métiers existent en France. Nous avons plus de 1000 personnes qui sont basées en France et qui exercent des activités pour le monde entier. Ça. Donc nous avons en fait la, la puissance de réflexion qui est en France, la recherche qui est en France, les grandes fonctions mondiales commerciales et marketing en France. Donc la France est à la fois comme tout le monde et en même temps unique. Alors, vous le rappeliez à l'instant, Air Liquide est un groupe centenaire qui, on peut le dire, n'a pas l'âge de ses artères. Vous êtes déjà leader mondial, vous êtes reparti en 2010 à un rythme de croissance à deux chiffres, aussi bien pour l'activité que pour les bénéfices. Et puis, c'est bien parti pour de Ré parce que vous investissez à un rythme qui est vraiment impressionnant. 40 nouvelles unités en deux ans, ça fait une tous les 15 jours ouvrables environ. C'est vraiment le marché qui veut ça Ah, tout à fait, c'est le, le, le marché. Le, la beauté de notre métier, c'est qu'il il, s'exerce dans, dans de nombreux domaines. On est aussi bien accompagné les clients dans le domaine de l'acier, de la chimie, du raffinage, mmh. mais également du, du photovoltaïque, de l'électronique, de la santé. Euh, on a donc énormément de métiers. C'est une grande diversité d'applications de, de nos produits. Le résultat, c'est que les marchés aujourd'hui se situent dans le monde entier, notamment dans les marchés en développement et dits émergents qui, mmh, qui, qui sont, sont déjà émergés, émergés maintenant. Ouais. Et qui nous permettent donc d'investir à peu près 2 milliards d'euros par an au rythme actuel et de démarrer 40 usines dans, 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 sur deux années, ce qui fait effectivement plus de 20 usines par an. Il faut rappeler que donc, Air Liquide produit les gaz et les services associés pour l'industrie et la santé, gaz de l'air, c'est de là que vous êtes parti, l'oxygène, l'azote, mais aussi l'hydrogène qu'on tire de l'eau ou des hydrocarbures. Alors je voudrais qu'on dise un petit mot de, de l'hydrogène en particulier, car on en parle moins ces temps-ci en France, comme alternative au carburant fossile pour l'automobile en particulier, peut-être parce que les constructeurs français s'orientent plus vers des solutions hybrides ou même les batteries pour la voiture électrique. Est-ce que ça veut dire que l'option hydrogène, en tout cas en France, est abandonnée euh, Je ne pense pas qu'elle soit abandonnée. Je pense que le, le développement passe d'abord par l'électricité, mm -hmm. puisque la vraie révolution, me semble-t-il, c'est celle-là. Mm -hmm. C'est-à-dire concevoir la voiture propulsé à l'électricité, que l'électricité vienne d'une batterie mm -hmm. ou bien d'une pile à combustible alimentée par l'hydrogène, peu importe, c'est l'électricité qui est la, la, la vraie révolution. Pour vous, c'est pas la même chose parce que pour nous, bien sûr, ce ne serait pas la, la même chose. <laughs> mais je pense que le, le vecteur euh, principal est celui-là. Mm -hmm. Alors, nous suivons bien sûr attentivement ce qui se fait non seulement en France, mais également en Allemagne, puisqu'il y a énormément d'initiatives en Allemagne, qui est un des premiers pays au monde. Dans le domaine de l'automobile, pas seulement d'ailleurs dans le domaine uniquement du, de, de l'automobile, mais toutes les technologies qui, qui tournent autour nous suivons ce qui se passe aux États-Unis, au Japon et dans un certain nombre d'autres pays. Alors, je pense que en termes d'horizon, les, les cinq prochaines années verront plutôt le développement de, de la voiture à, à batterie, donc l'électricité sera produite sous forme de batterie. Mais nous travaillons sur des solutions à l'échéance 2020 qui est la première échéance, et 2050, la deuxième. On me dit qu'en Allemagne, en particulier, les industriels se seraient entendus pour fabriquer un réseau carrément d'infrastructures, parce qu'il faut des stations-service pour l'hydrogène, et que ça démarrait finalement assez vite là-bas. Oui, Effort. ça c'est la bonne nouvelle, je dirais, pour hum. nous, euh, c'est qu'effectivement, ayant fait les études de, de départ, qui sont des études techniques et économiques, avec des projections, je le disais, à 2020-2050, on se rend compte que finalement l'hydrogène pourrait occuper une place intéressante entre la batterie qui a une autonomie limitée et le moteur classique à combustion interne qui lui a une émission minimum. Mmh. Donc quand on fait cette espèce d'arbitrage entre l'autonomie des véhicules et les émissions de CO2, et on trouve une belle place pour l'hydrogène, ça ça a été je dirais, constaté dans les études. On entre maintenant dans la deuxième phase qui consiste à essayer de bâtir le modèle économique avec les infrastructures, les stations-services et les moteurs pour les années qui viennent. Vous vous imaginez un jour à la tête d'un réseau international de stations-services, Air Liquide, pour l'hydrogène par exemple Qui sera certainement pas un substitut au pétrole. Je crois qu'il faut, il faut penser plutôt en, en combinaison de technologies. Voilà. Exactement, ce sera, ça viendra en supplément. Donc la part de marché de ces technologies pourra être de quelques pourcents, peut-être 10%, euh, si on rêve un peu, 10-15%. Mais je crois que ce sera un, un, un complément au reste. Il faut rappeler quand même que quand on utilise de l'hydrogène pour actionner son moteur, il n'y a pas de rejet de CO2. C'est quand même il ça l'essentiel. Il n'y a pas de rejet puisque c'est de l'électricité en fait, qu'on produit, ouais. sans bruit, sans émission, Et donc on a énormément d'avantages euh, par rapport aux, aux technologies d'aujourd'hui. Merci Benoît mmh. Potier. Merci.